présence de Sabine Stéoyenne et écrivaine. Écrivaine. Oui, maintenant. Oui, je crois comprendre que depuis pas mal d'années, on peut se tutoyer. Bien sûr. Oui, eh bien, Sabine, alors j'ai cru comprendre depuis pas mal d'années, et tu écris sur l'histoire de la Martinique depuis à partir de quelle année? Alors, ça fait maintenant une dizaine d'années que j'écris sur l'histoire de la Martinique. Le but, c'est de mettre en avant certaines parties de notre histoire qui n'étaient pas connues. Et jusqu'à présent, on ne connaissait pas le rôle joué par les Martiniquais et la Martinique dans les différentes guerres. Et donc, c'est ce sujet-là qui m'intéresse principalement. Alors, cela fait combien d'années vous vous prêtez à cette écriture? Alors, j'ai soutenu mon doctorat en 2003 et j'ai publié mon premier livre en 1996. Donc, et j'ai encore plein de projets en tête parce que l'histoire de la Martinique mérite d'être approfondie sur d'autres thèmes aussi. Bien évidemment, mais en tant que Foyalaise, parce que je crois comprendre que tu es de Fort-de-France. Tout à fait, oui. Et bien évidemment, Fort-de-France, ville dirigée par Aimé Césaire. Qu'est-ce que Aimé Césaire t'inspire? Aimé Césaire m'a permis, parce que j'ai étudié Aimé Césaire au lycée, j'ai eu la chance de l'étudier au lycée. Il m'a permis justement d'être fière de ce que je suis. Parce que quand je suis arrivée au lycée, je n'avais pas du tout cette idée-là en tête hein, de fierté. Mais ça m'a permis d'être fière de ce que je suis et d'être fière d'être antillaise, noire et de ne pas avoir peur de le revendiquer, justement. Bien évidemment. Alors, la vision de la Martinique actuelle et puis en fonction des écritures par rapport à l'histoire, alors quel regard, quel... j'allais dire une synthèse, c'est un peu difficile tout ça. Alors justement, non, et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est surtout pas regarder l'histoire avec les yeux de maintenant. Et c'est ce que j'essaie de faire pour que les gens puissent comprendre que l'histoire se vit dans un contexte bien particulier. On ne peut pas dire en 2011, oui, on n'est pas dû faire comme ça, ouais, il ne fallait pas... Non, il faut être dans le contexte. Surtout, ne pas regarder l'histoire avec les yeux actuels. C'est ce qu'il faut retenir pour comprendre l'histoire, justement. Bien évidemment. Alors, bon, sachant que ça va tellement vite, et puis on a quand même cette nouvelle génération, et puis bien évidemment, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, lieu à cette jeunesse, à cette nouvelle mouvance, à cette technologie. Alors, d'ailleurs, j'entends en passant que vous avez écrit un bouquin pour votre fils ou bien par rapport à son intervention? Alors par rapport à son intervention, pour mon fils, d'accord, c'est vrai, mais surtout c'est pour tout le monde. Parce qu'il m'a fait remarquer que en tant qu'historienne, j'écrivais des livres, c'est vrai, mais pas accessible, pas toujours accessible. Donc à travers le roman, ça permet à tout un chacun de comprendre l'histoire de façon ludique, mais aussi en se cultivant. Justement. Alors, qu'est-ce que tu as pu lui dire qui puisse intéresser notre jeunesse d'une manière générale? Alors je lui ai dit qu'en lisant justement l'histoire d'Anatole, il va comprendre comment les gens vivaient à l'époque. Et il va voir comment il y a l'évolution, parce qu'il peut comparer maintenant. Mais c'est surtout ça. Il dit voilà, ce livre-là te permettra de voir comment étaient les jeunes de son âge, puisque 11-12 ans c'est pareil, en 1914-1918. Et ça, je vous assure qu'il l'a lu et il m'a dit, mais c'était comme ça alors. Voilà. Donc j'ai réussi à comparer. Eh bien, c'est parfait. Alors, par contre, on ne va pas trop se focaliser sur l'histoire du passé pour construire le présent, mais n'empêche, il ne faut pas oublier. Mais ma dernière question, la Martinique actuelle, parce que je ne crois pas comprendre que tu viens directement de la Martinique. Alors, est-ce que cette Martinique, notre Martinique, est en état de marche? Pour moi, oui. Pour moi, la Martinique est en état de marche parce que j'assiste justement à un chamboulement. En ce moment, les gens réfléchissent, on a envie d'avancer. On se sent qu'on balade dans l'air et on va avancer. C'est pas facile, ça n'est pas facile, mais je pense qu'on est quand même bien décidé. Parce que je pense que février 2009, on a quand même lancé le pas. En tout cas, merci Sabine, parce que ça bon pour nous que Martinique des femmes job, femmes doubout, et puis femmes, on ne va pas parler intellectuel, mais tout simplement des femmes qui défendent des idées, qui ont rapporté l'histoire, et puis on va demander que ça continue dans les belles chemins du pays. Merci, merci, Michel. Merci.